Mon fils, un beau garçon comme toi, je suis sûr que tu ne peux pas manquer une copine. Quand vas-tu me la présenter ? Je te présenterai à ma fiancée bientôt, maman. Ne t'en fais pas. Tu l'appelles déjà ta fiancée ? Elle sera ta fiancée le jour où la famille approuvera votre relation. Tu as toujours été très cachotier, mon fils. Il faut parler à ta maman. Tu n'as pas une autre mère à part moi. Toutes les femmes à qui je t'ai présenté n'étaient jamais assez bien pour toi, maman. Alors j'avais décidé de prendre mon temps pour enfin te présenter la bonne. Je suis sûr que tu vas l'aimer. Quand tu me présentais tes copines, tu étais encore jeune. Maintenant tu es un homme, et je suis sûr que tu feras le bon choix, et que tu choisiras une bonne femme, qui plaira à ta maman. Ne t'en fais pas, maman. Ma belle, comment vont tes enfants, et toute la famille ? Ah, ils vont bien, ma belle, merci de demander. Et de ton côté ? De mon côté, ça va aussi, avec la grâce de Dieu. Tu sais que des fois, quand je te vois, ta vie, ton mari, tes enfants, je me demande si un jour, Dieu exaucerait aussi ma prière. Des fois ça me fait bizarre, tu sais. On a grandi ensemble, et je vois comment ta vie évolue, à vrai dire des fois j'ai l'impression d'être en retard. Tu sais, tu n'as pas besoin de comparer ta vie à la mienne. Chacun son temps. Et puis je t'ai toujours dit que se marier, ou avoir des enfants, n'est pas synonyme de réussite. La réussite, c'est d'être épanoui en faisant la volonté de Dieu. Et la réussite n'est pas en état statique, mais elle est plutôt progressive. Ah, ange. C'est facile à dire. Nicole, la vie est simple. Il ne faut pas la compliquer. Profite de ta vie dans ton célibat. Mariage n'est pas ciel, ma chérie, les choses arriveront en leur temps. Bon. Je sais. Espérons que tout ira bien. Mais oui, arrête de t'inquiéter. Bon, allons-y, je dois prendre les enfants à la garderie. Alors ma chérie, tu es prête à rencontrer ma mère ? Je stresse un peu, mais oui, je suis prête. Tout ira bien. Allons-y. Nao ? Va vite ouvrir. Ça doit être ton frère et sa nouvelle fiancée. D'accord, maman. Hello ? Enfin, vous êtes là. Enchantée, tu dois être Naomi. Didier m'a beaucoup parlé de toi. Heureuse de faire ta connaissance. Enchantée. Oui, c'est moi, Naomi. Allons nous asseoir. Ah. Vous voilà arrivée. Et, elle est où, ma belle-fille ? Tu fais exprès ou tu ne vois pas maman ? Elle est là, ta belle-fille. La plus belle. Mais... elle est blanche ? Oh ! Quelle surprise ! Je ne m'y attendais pas. Enchantée, madame. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Ok, c'est bien. Mais Didier, toi aussi. Tu aurais dû me prévenir que ta fiancée n'était pas africaine. Je n'ai fait que des plats de chez nous. Qu'est-ce qu'elle va manger du coup ? Elle mange aussi des plats africains. Ne t'en fais pas, maman. En tout cas, passons à table alors. Ouh là là. Cette soirée risque d'être très pimentée. On y va, ma chérie. Je vais te raccompagner. D'accord. Où sont les toilettes ? C'est la première à ta gauche dans le corridor. Merci. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Maman. Pourquoi tu agis de la sorte ? Tu as mis Annabelle très mal à l'aise durant toute la soirée. Arrête-moi tes bêtises. Tu viens ici avec une blanche, tu croyais que je serais contente ? Mais c'est quoi la différence, si elle est noire, ou blanche, rouge ou verte ? Tu ne peux pas juger les gens à l'apparence, maman. Nous sommes des Bantous. Nous nous marions entre nous, pour préserver notre culture. Cite-moi le nom d'un membre de notre famille qui est marié à un blanc. Hein ? Vas-y. Cite-moi, même un seul nom. Mais franchement, maman. Ah oui. Et puis tu as vu comment elle est habillée ? Elle met des vêtements courts, on voit tous ses bras. Très mal habillée, mais vraiment aucune concordance. Après tu diras qu'elle est chrétienne ?
qui s'habille comme ça, pour aller voir sa future belle-mère? Moi, le jour où je suis allé voir ma belle-mère, j'étais habillé en pagne. Et ce jour-là, j'ai fait à manger pour tout le monde, j'ai nettoyé la maison, et j'ai fait la vaisselle. Et je suis devenue la meilleure amie de ma belle-mère, jusqu'à aujourd'hui, bien que mon pauvre mari ne soit plus en vie, je suis sa belle-fille préférée. Mais la tienne, regarde comment, elle vient se présenter chez ses beaux-parents. Ah oui? Et puis, l'habillement de ta fille Naomi. Ça tu ne vois pas. Annabelle n'a pas la même culture que nous. C'est normal qu'elle soit différente. Elle aurait pu nous juger elle aussi. Mais elle ne l'a pas fait maman. Naomi est célibataire. Ne fais pas des comparaisons inutiles. Chez nous on épouse les Bantous. Comme nous. C'est tout. Franchement. Un beau garçon comme toi, tu ne sais pas faire le choix d'une femme. C'est vraiment dommage. Hein? On va en reparler, maman. Je ne veux pas qu'elle nous entende, s'il te plaît. Qu'elle nous entende? Elle est qui pour qu'on ait peur d'elle? N'importe quoi. Franchement, je n'arrive pas à te comprendre, oh maman. Annabelle est une femme merveilleuse, tu n'as même pas fait l'effort de la connaître, plus en profondeur. C'est vraiment dommage. Quelle profondeur? Laisse-moi, s'il te plaît. On peut y aller, Didier. Merci infiniment de m'avoir accueilli chez vous, Madame Adama. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Ok, oh. Chez nous, on appelle les belles-mères maman. Pas madame. Ah, je ne le savais pas. Alors merci beaucoup, maman. Ça va. Bonne soirée. Bye. Allons-y. C'est vraiment une belle journée, ma chérie. J'aime ce vent frais. Pas toi? Je préfère quand il fait chaud, moi. C'est drôle comment on est différents. Hein? Je trouve ça beau. Eh bien. C'est peut-être ça aussi, le problème avec nous. On est peut-être un peu trop différents. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Annabelle? Didier. Je sais que ta famille ne m'aime pas. Je ne te l'avais pas dit, mais j'avais entendu ta conversation avec ta mère, depuis les toilettes. Depuis l'autre soir, j'ai tellement réfléchi et prié. Alors je voulais qu'on vienne ici, parce que je voulais t'annoncer que je préfère qu'entre nous, les choses s'arrêtent ici. Mais pourquoi? Non, ma chérie. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je suis désolée, Didier. J'ai bien vu que ta mère ne pourra jamais m'accepter. Et je ne veux pas m'engager dans ce genre de combat. Je sais que je n'aurai pas la force d'assumer mon choix si je te dis oui. Et toutes les prophéties que nous avons reçues. Et tout l'amour que nous partageons. Tu veux tout laisser juste pour ça? Ma mère est quelqu'un de bien. Elle voulait juste te tester pour voir ta réaction. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne me marierai jamais par prophétie. Je dois être convaincue dans mon cœur. J'ai prié Dieu, j'ai réfléchi, et je ne suis pas convaincue. Je suis vraiment désolée, Didier. Maman Gertrude? Waouh, ça fait tellement longtemps. Oui, c'est bien moi, Gertrude, mais je ne te reconnais pas, c'est bizarre. Vous m'avez oublié? Je suis Nicole. Je suis la fille de Papa Albert, un vieil ami de votre feu mari. Oh. La petite Nicole là? Waouh. Mais tu as tellement grandi, ma fille. Incroyable. Oui, maman. Je me souviens de ton père. Mais il nous a abandonnés depuis la mort de mon mari. Il n'est plus jamais venu chez nous. Mon père est tombé très malade depuis plus de 5 ans. Il ne marche plus. Oh vraiment? Je suis vraiment désolée de l'entendre. Tu lui passeras les bonjours de ma part. Je ne manquerai pas, maman. C'est très bien. Et toi? Tu n'es pas encore mariée? Non, maman. J'attends encore le bon. C'est très intéressant. Ne t'en fais pas. Ça sera pour bientôt. Amen, maman. Alors ton père était ami au mien? Oui. Ils étaient très bons amis. Ah d'accord. Je ne connaissais pas trop les amis de mon père. J'ai quitté la famille très tôt pour aller étudier à l'étranger. Mais j'ai des souvenirs de toi, quand on était encore petits.
Oui, moi aussi, j'ai des petits souvenirs. Ange, je te dis, c'est vraiment Dieu qui a répondu à ma prière. Je bénis le Seigneur pour cela. Tu vois? Je t'avais dit que tu n'avais pas à t'inquiéter. Ça valait vraiment la peine d'attendre, tu avais raison. Didier est grand, beau et intelligent. Mais surtout, il aime le Seigneur, et il est très responsable. Enfin, je vais pouvoir sortir du célibat, et me marier comme tout le monde. Eh bien j'espère, que tu te maries pour les bonnes raisons ma chérie. C'est vrai que c'est le profil parfait, mais il faut aussi prier, afin d'être sûr, que le Seigneur est avec toi dans ton choix. Tu sais ma belle affaire de mariage, c'est une affaire de destinée. Il ne suffit pas de trouver une bonne personne, mais il faut trouver la bonne personne pour toi. Ah, vraiment tu es rabat-joie, ange. Donc tu n'es pas heureuse pour moi? Non, ce n'est pas ça. Je te donne juste des conseils. Tu sais, avant de me marier à Nick, j'ai failli épouser Frédéric. Tu t'en souviens, non? Quand on était ensemble, tout allait bien. Il avait tout ce que tu as décrit là. Beau, grand, craignant Dieu et stable. Mais le Seigneur m'avait dit de ne pas l'épouser. Ça m'avait fait mal à l'époque mais j'avais obéi. Aujourd'hui, je bénis Dieu, parce que je suis la femme la plus heureuse avec Nick. Et je sais qu'avec Frédéric, je n'aurais pas été aussi heureuse. Donc tu vois, c'est juste pour te dire, que c'est important que tu sois convaincue de ton choix. Il ne faut pas que tu bases ton choix, sur l'excitation du moment et sur les émotions seulement. Ok, je t'ai entendu ange. Mais prochainement, montre plus d'enthousiasme, quand je t'annonce une bonne nouvelle. Désolée ma chérie. C'est parce que je t'aime, comprends-moi. Je veux que tu sois heureuse. Mais je suis très très contente pour toi. Merci ma belle. Didier? Mais est-ce que tu entends ce que je te dis? Oui, maman. Je te parle, et tu es dans la lune. En tout cas, je suis contente que tu aies écouté mon conseil. Nicole est une bonne fille. Et elle au moins, elle va respecter nos coutumes. Par contre, ça fait déjà presque 2 ans que vous êtes mariés, et elle n'est pas toujours enceinte. Avez-vous déjà vu un médecin? Rien ne presse, maman. Nous sommes bons tout mon fils. Il faut faire vite. Pense-y bien. J'ai vu le médecin aujourd'hui chérie. Vu que nous n'arrivons pas à concevoir, je voulais m'assurer que tout va bien. Tu aurais dû me prévenir, on serait allés ensemble. Tu as déjà les résultats? Le médecin dit que je suis en incapacité de concevoir. Vraiment? Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Je me suis gardée, je n'ai pas eu une vie mouvementée. Pourquoi le Seigneur me punit de la sorte? Ne pleure pas, Nicole. Ça va aller. Dieu va nous aider. Bonjour, maman. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Tu aurais dû me prévenir que tu venais, j'allais te préparer un plat spécial. Donc dans cette maison, pour préparer un plat spécial, il faut que je vienne? Tu es déjà supposé préparer des plats spéciaux pour mon fils, tous les jours. Ah, vous savez maman, Didier n'est pas très difficile pour manger. Il mange quasiment tout. Oui, je connais bien Didier. C'est moi qui l'ai mis au monde. Et je sais aussi que mon fils aime tellement les enfants. Mais malheureusement, il n'y a pas d'enfants dans cette maison. Ah maman, pourquoi vous dites ça? Je suis venue mettre un peu de bruit chez vous. Ça ressemble à un cimetière ici. Pas d'enfants, pas de bruit, rien d'intéressant. Didier et moi, nous faisons de notre mieux maman. Écoute-moi bien petite. C'est grâce à moi que mon fils t'a épousée. Donc sache que j'ai aussi le pouvoir de te faire sortir de cette maison. Alors tu vas retourner chez ton sorcier de père et lui demander d'enlever le sort qu'il avait jeté sur toi. Car moi, j'ai besoin des petits-enfants. Oui.
je te donne jusqu'à la fin de cette année. Si tu n'es pas enceinte, avant le 31 décembre, moi-même, je viendrai te déraciner de cette maison. Et je vais trouver une autre femme à mon fils. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et si j'étais toi, je n'oserais même pas parler de ça à Didier. Si tu oses lui en parler, tu verras ce que je vais te faire. En bon entendeur, salut. Pourquoi tu permets que tout ceci m'arrive, Seigneur ? Tu as fini avec mon téléphone ? Je peux le reprendre ? Oui. Mais chérie, il y a plusieurs photos d'une jeune femme métisse dans tes archives. Qui est-elle ? Je t'ai donné mon téléphone pour parler avec François. Pourquoi tu te mets à fouiller dedans ? Je n'ai pas fouillé, chérie, je voulais juste voir tes photos. Moi je ne fouille pas dans ton téléphone. Alors ne fouille pas aussi dans le mien. Didier, est-ce que tu me trompes ? Comment tu peux dire une telle chose ? Je ne peux pas faire ça, car je crains Dieu. C'est seulement parce que tu crains Dieu, que tu ne peux pas faire ça. Et non par amour pour moi ? Nicole, il est tard. Ne me fatigue pas s'il te plaît. Rends-moi mon téléphone maintenant. Je vais me coucher. Ok. Tiens. Merci. Bonne nuit. Mon mi. Regarde comment tu es très jolie. Ça me fait plaisir de te revoir, Mommy. Et toi aussi, ma petite sœur chérie. Tu nous as vraiment manqué, toi aussi. Bon, maman, j'y vais. Bisous. Mon fils à moi. Fils à maman. Viens t'asseoir à côté de maman. Merci, mon Dieu, de ne m'avoir donné que des très beaux enfants. Alors, maman, quoi de neuf dans ton pays ? J'attendais que tu viennes, justement. J'ai une mission pour toi. Maman, tu vas jamais changer. Je viens juste d'arriver, et tu veux déjà me mêler à tes coups bas. Ne rigole pas, je suis sérieuse. Tu dois faire quelque chose pour moi. Bon. Dis-moi, de quoi s'agit-il ? Quand ton frère est venu te chercher à l'aéroport, comment tu l'as trouvé ? Je ne sais pas, il était normal. Ton frère n'est pas bien. Il souffre avec sa sorcière de femme, qui ne peut pas avoir d'enfants. Je veux qu'on fasse un plan ensemble, pour les séparer. Ah, maman, je ne veux pas être mêlée, dans le mariage de Didier. La vie de ton frère est en jeu. Tu dois intervenir pour le sauver. Mais maman, c'est pas toi qui aimais cette fille. Tu l'as vantée tout le temps. Maintenant tu ne veux plus d'elle, parce qu'elle ne peut pas concevoir. Écoute d'abord ta maman, arrête de trop parler. Cette femme est une sorcière. Mon fils doit la chasser de la maison. Ah, maman. Avez-vous été béni par cet épisode ? Alors n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, et surtout à la partager, afin que plusieurs soient bénis aussi. Le prochain épisode sera disponible dès le vendredi, sur la chaîne d'animation pour Chris TV. N'oubliez pas de me donner vos impressions en commentaire. Que Dieu vous bénisse.